j'ai lancé la VOD. Très rapide. Bonjour VOD. On est sur Assassin's Creed Mirage. Plus ou moins des heures de jeu. Plein plein. En vrai, on était à 18 à peu près. Et du coup, ce qu'on va faire... Là, ah oui, j'éteins ma tenue. Ma tenue éteinte. En doré. C'est plutôt joli. C'est plutôt joli. C'est plus joli dans l'inventaire parce qu'il y a plus de brillance. On voit pas trop que ça brille. Ça a pris. Genre là, on voit bien que ça brille. Regardez. Regardez, regardez comme ça brille. Aussi soyeux que le téton. Et on va continuer notre quête principale. On a fait depuis l'arsenal petit coffre juste avant de lancer la VOD. Maintenant c'est bon, on est parti et on va trouver les membres de l'ordre dans la maison des officiers. L'ordre, c'est ceux qu'on veut buter. On a fait un petit contrat pour avoir des cachetons de marchands. J'avais une course à faire, j'ai raté. J'avais pas beaucoup de bonne volonté. 18 3/4 je crois. Ah ouais déjà? Ah peut-être hein. On était à 17 et quasiment 18. Moi pas, j'ai des subs nulle part que chez Lux et Dilo. Mais as-tu besoin d'autres subs, Grisou? Attendez, là on a un petit truc doré à faire. On va le faire en passant, on va le faire en passant. Bon, j'ai pas vraiment de volonté sur le jeu à 100%, mais si sur mon chemin je peux choper un petit item que je dois donner à un PNJ. Ah oui, on est allé le voir d'ailleurs, je dis ça pour la VOD, on est allé voir le PNJ qui voulait... Voilà, lui qui voulait les objets là qu'on ramasse. Bon bah ça m'a pas donné grand... Ça me donne rien de lui offrir, j'imagine que j'aurai des récompenses à la fin, mais j'ai pas l'impression que ça m'a donné le moindre truc. Mais du coup c'est là-bas que j'ai acheté ma teinture parce que c'est un teinturier. J'ai enfin trouvé la teinture adéquate à ma tenue. Ce qui me ravit, quelque part. Trouver une autre tenue aussi, mais c'est une tenue qui rend... C'est une tenue silencieuse. Bon, on a bien vu ce que ça faisait. Moi, je pense que c'est la faute de la tenue. Elle est pas si silencieuse. Par où je peux passer pour aller vite, là? J'ai pas un TP, là-bas? Mais ouais, j'y vais à pied. Mais pourquoi j'y vais à pied, moi? Parce qu'il y a le truc ici, j'aimerais bien y aller. J'ai pas du tout de TP dans le coin, mais alors pas du tout. Oh, j'ai flemme de fou. La même tenue en noir, ça serait plus discret dans le bazar. Déjà là, c'est mieux, je trouve, vu que c'est pas en blanc. Je trouve que ça passe mieux. Mais oui, ouais, j'aimerais bien des couleurs sombres un peu. Genre bleu foncé, noir et doré. Oh, ça ferait un peu pub de parfum, mais ce serait trop bien. Par où je peux monter? Là, je vois nulle part où je peux monter. Coucou, coucou c'est qui? C'est Surfman. Coucou, Surfman. Avec deux teintures dispo? Oui, ça dépend des vendeurs. En fait, il y a des teintures dispo. Et en fait, il y a plein de teintures. Mais c'est en fonction de la tenue. C'est-à-dire que bah, cette teinture-là, elle était pour cette tenue. Et je peux pas la mettre à une autre tenue. Et j'ai d'autres teintures. Bah, pour d'autres tenues qui ont l'air... voilà, les teintures sont très jolies. Mais c'est pas des tenues que je veux mettre. Donc bon, ça m'emmerde. Comprenez un peu. Comprenez mon désarroi. Je peux pas monter. Autre désarroi. Bah je sais pas, je vais aller dans l'eau déjà. Oh, ça m'énerve! Le détour que j'ai oublié de faire. Non mais c'est pas possible. Pour passer cette putain de porte. Ah, si, je le fais. Atori Toru. Tu n'as rien à faire dans les environs. Ouais, j'ai même pas le droit de passer. J'ai le droit de sortir quand même, vous êtes des ouf. Oh, je sors en chameau au pire. Tiens, viens là. Bon, hé, on rush, ok? T'es avec moi? T'es avec moi, Ludivine? Let's go. Hé, tu vas pas vite? Cours, plus vite, s'il te plaît. Plus vite. Mais il va pas vite du tout. Ah, mais je suis dans les beaux quartiers ici, vous avez vu un peu? Eh, c'est vraiment un trop de footing là que tu nous fais, hein? J'ai aucune volonté de me permettre de survivre en fait, hein? Bon, je bouscule toujours des gens. Parce que je sais bien que ça te fait plaisir. Avec le.
Avec le dromadaire jusque juste là, j'aime beaucoup. Je couvre tes arrières. Une seconde. Non. Je vais te faire taire. Non, tu m'as pas vu. Attends. Je peux casser. Pourquoi je fais ça? Mais j'ai tué des civils. Mais non, je peux tuer. Ah, j'ai tué un civil. Mais non, mais c'est beaucoup trop chiant! Pourquoi j'ai pas le droit de rentrer et de sortir de la ville? Une fois dans la ville, y a pas de souci, mais j'ai pas le droit de rentrer, j'ai pas le droit de sortir! Alors qu'il y a plein de gens qui rentrent et sortent quand je le fais? Je parle de la ville, je parle de la ville! Attention, hein! Je parle de rentrer et sortir de la ville, toujours! Je te calme! Je te calme! Je me cache dans les buissons. Je suis sûr que ça passe! T'as perdu ta synchro. J'ai pas perdu ma synchro, j'ai juste un risque d'être désynchronisé si je continue à buter des gens. T'inquiète. Je connais la limite. Alors allez. D'accord. Y'a un moucheron sur mon lit. Je vais t'asseoir. Ah ! Oui, la crise de Caracas. Mais non, mais c'est la faute du moucheron. J'ai un handicap, je me suis pris un moucheron dans la gueule. Tu... Pousse! Stop the count! I have the mission in the girl! Tu n'as rien à faire dans les... Oui, bah je sais qu'il y a rien à faire là, je suis pas là pour mon plaisir, figurez-vous. Je suis caché. Je peux peut-être le voler tout de suite, lui. Non, 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 restez là, je t'en supplie! Putain, viens là-tout. Viens là-tout. Oh putain, viens là-tout. Non, mais je suis là pour toi en fait! Je peux pas voler tant que je suis en repéré. Allez. Je marche souvent comme ça. Très, très collé. Très proche. J'adore, moi, le contact. Moi, ce que j'adore surtout dans mon métier, c'est le contact. Ça va encore bugger, regardez, j'arrive pas à l'oublier. Oh, je vais tellement me... Arrêtez! J'ai rien fait! Voilà, ça on dit! Ça marche, à tantôt, Sam, des bisous! Ah! Une mémoire de bulot. Des bulots. Eh oh! Eh oh! On mange des bulots. Je sais siffler, je sais siffler, juste j'aime bien siffler mal. Je sais très bien siffler, ouais. J'avais une collègue, elle savait pas siffler du coup, elle sifflait comme ça. Comme plein de gens qui savent pas siffler. Et vu que... C'est là que c'est la meilleure. Merci Bloody. C'est nul, je ferme. Ferme, infernale. Et vu qu'on avait un perroquet, et ben le perroquet s'était mis à siffler mal aussi parce qu'il entendait ma collègue siffler mal. Du coup, le perroquet lui-même faisait des... C'est vrai. Vraiment le même faux sifflement. Réter, réter. Vous me harcelez. Ça va la VOD sinon? Ouais, je parle à la VOD. Il me harcèle sur le chat. Oh, le boucan. Oh. Non, mais je siffle pas trop sur le micro parce que ça fait. C'est pas agréable sur un micro de siffler. Genre, pour vous, c'est l'enfer. Alors, je le fais pas parce que je pense à vous. Et ouais, révéler l'emplacement des coffres de matériel et d'énigmes, de livres perdus, acheter des cartes. Oh, on peut acheter des cartes! On peut acheter des cartes. On peut acheter des cartes. Essayez de savoir où je peux me TP. Je vais peut-être y aller, hein. Des excuses, ça. Je sais, viens siffler. Et qui, Marcel?
Celui qui conduit un camion. Je sais pas siffler avec les doigts. Ah, je sais pas non plus, j'ai déjà essayé. Vous voyez, ça siffle pas. Ah non. Ça y est, on a enfin attrapé le faux monnayeur de Tabith. Oh, celui qui inondait le souffle près du monastère des Vierges. Mais oui, le sifflet comme ça là. Ouais ouais, non effectivement, tu finis juste les doigts imbibés de bave et tu sais toujours pas plus siffler. C'est siffler, c'est pas siffler non plus en fait. Ah ouais? Mais attendez, on parle de siffler normalement ou on parle de siffler avec les didi? Moi ça avec les didi, je sais pas. Avec une feuille, j'ai déjà vu... Enfin avec une feuille. J'ai déjà vu des gens siffler avec une herbe. Je sais pas pourquoi rajouter un accessoire, mais j'y arrive pas non plus. Mais par contre, siffler comme ça... Là, j'ai pas de soucis. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, on m'avait dit que c'était pas possible d'apprendre à siffler à quelqu'un qui ne sait pas instinctivement siffler. Avec l'herbe, je le fais. Ouais. Ou plutôt qu'à force de bouffer de l'herbe, tu le crois, tu vois. J'arrive pas sur les deux. C'est pas comme si c'était utile, de toute façon. En frais. Mince, je voulais aller voir des cartes. Il est où, des cartes? Descartes. J'ai voulu aller dans son lycée. En fait, je suis pas allé. Je trouve que c'est un côté badass avec les doigts dans la bouche. Pff. Je trouve que c'est un côté dégueu, hein. Tu sens le goût de tes doigts à chaque fois que tu dois siffler. C'est bien de pouvoir te passer de tes mains. Parle pour siffler. Salut à toi. Salut. Bonjour à toi. Alors, voir la boutique. Que proposes-tu aujourd'hui? Tu trouveras des choses qui t'intrigueront. Oui. Oh, étendue sauvage. Je vais peut-être prendre plutôt les cartes des étendues sauvages. Ah, il faut des jetons d'érudit. De rares et précieuses reliques. Seras-tu le premier à les trouver? Les livres perdus ou une énigme? Moi, je préfère les énigmes. On croit souvent perdus de fabuleuses richesses, mais le sont-elles vraiment? Crac. Manien, manien. Après, à la ville, j'en ai encore plein. Savoirs anciens, révélant mythes et mystères. Moi, j'aime bien, moi. Moi, c'est ma énigme. Ah bah, Didia. Certaines cartes ont beaucoup à révéler. Ok, emplacement d'énigme, let's go. Es-tu homme de savoir? Ça m'a coûté un jeton. Je vais regarder. C'est bon, je l'ai? Je dois m'en aller. Au revoir. Mais pourquoi tu mets tes doigts dans ta bouche, Sam, si c'est pas pour siffler? Pardon. En vrai, ça va, on n'a pas besoin de ça. Oh bah cool! Faut que j'aille là-bas. Bah, je mange avec déjà. Mais tu les mets pas dans ta bouche, espèce de sauvage. D'où tu mets tes doigts dans ta bouche? Ah, tu fais des... Toi, tu fais comme les petits jeux, tu fais les petits... Je les lèche. Tu n'es pas le bienvenu. File. Ben, je vais lire quelqu'un d'autre maintenant. Oui, je sais que c'est fonctionné, effectivement. Non, mais oui, j'étais en train de me dire, mais attendez. Quel moment, en vrai? Le gars suce son pouce? Non, mais c'est bon, je lis pas ton message en entier. C'est bon, ça m'a saoulé. Comme une ombre, Plajo. Mais
Mais ça sert à rien en plus de lécher ses doigts, tu sens à peine le goût, tu l'as déjà plein de... Enfin bref, en haut. Il a 5 ans, il mange avec ses doigts. Ah, j'avoue. Qui te dit que c'est tien de pouce? Il a dit mes doigts. Hein. Je sais, j'y ai pensé. J'y pense. Bon, eh, moi je me concentre sur le jeu. Hein. Vous racontez vos trucs chelous de doigts sucés là. Moi je fais mon truc. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, le schéma est toujours très schématique. C'est un endroit où il y a des drapeaux avec des points blancs et c'est sur fond noir. Il y a une cour où les gens se battent. Ici, un coffre. Ok. Je vais faire une capture d'écran. Attendez. Je fais ça. Oh, mais je lis pas. On va se saouler, là. Pour éviter d'en avoir partout. Le temps d'aller me laver les mains. Putain, mais la bande de gens, eux... Attends, tu trouves ça normal de te lécher les doigts pour les laver? J'avoue, ça doit venir de nous, hein. What the fuck? Non mais ouais, mais chier, quoi. T'as pas un truc qui s'appelle genre une serviette? J'ai pas au pif, hein. Oh là là. Vas-y, j'arrête de lire, ça m'a saoulé. Alors... C'est un endroit qui s'appelle... Qui s'appelle pas. Attendez, c'est un endroit où il y a une cour. Et où les PNJ s'entraînent. Est-ce que c'est dans la ville ou pas? Je suis pas sûre que ce soit toujours dans la ville ronde. Il y a une cour et il y a des drapeaux. Mais les drapeaux, bah ouais, c'est bien marrant, mais moi je sais pas. Faut peut-être que je regarde genre le nom des bâtiments. Oh, mais ça par exemple, voilà. Un petit point, mais je sais pas ce que c'est. Il y a écrit site historique, mais voilà, c'est tout. Prison de la Porte de Damas. Je sais pas si ça peut être à l'extérieur. Ah, il y a le palais du prince, c'est ça. Je sais pas, je pense pas. Il y a deux... Il y a deux... coupoles, on va dire. Coupoles. Bref. Voilà. Ah, mais... Ah si, il y a une cour, là, regardez. Il y a une cour, il y a les deux trucs comme ça. Peut-être là. C'est bleu si pour que ce soit là. Là, il y a une porte. Ok, et si c'est là, ce serait genre ici. Je chante et après je me TP là. Ouais, go. Hein. Ah! Mais hey, franchement, laissez-moi le temps de m'en aller. Oh, toi, t'es du genre à sucer les doigts après le repas, toi. Oh putain, il me tape. Baffeur, non mais... Oh. Donc assis sur la map, c'est un gros téton. Ouais, bof. Bof. Franchement, bof. I've got the esprit déplacé, but if I see a ring, I don't think automatically téton, tu vois. Pourtant, je reconnais mon esprit bizarre, hein. Mais là, j'avoue que c'est tiré by the hair, quoi. Vous me dites if you want que je speak d'autres langues. Je fais ce que je can. To être understand by tout le monde.
You know. Je veux bien en russe, moi. Bah, mets l'option russe. Dans Twitch. Ah putain! Si, si. Oh, vas-y, je vais en YOLO, vas-y, je m'en fous. Allez, Y! Ah, il bug! Ah! Pas encore de cheveux. Les cheveux, c'est important. Mais non, j'ai dit tiré by the air. Ça va, Poutine. Put your hand in the air. C'est tout. J'ai acheté des élastiques pour dégager mes oreilles quand je mets le casque parce que j'en peux plus. D'accord. Bah, moi aussi, j'ai acheté des élastiques et des pinces. Et pour dormir, tu veux pas dormir avec un élastique par contre. C'est pas nice. C'est mignon un garçon quand ça découvre les problématiques des cheveux longs. Une queue de cheval. Oui, non mais en fait, en vrai, quand tu dors, c'est inutile d'avoir une queue de cheval, parce que de toute façon tu dors. Et en fait, quand tu as les cheveux attachés tout le temps, non seulement ça te nique les cheveux, mais si tu attaches fort, ça peut aussi être très mauvais au niveau de la base de ton crâne. Ou ça peut te les arracher, tout simplement. La maison des officiers. Ça va dépendre. Reste maintenant à trouver comment y entrer. Donc voilà. Dormir tous les soirs les cheveux attachés, c'est souvent pas incre. Après, voilà, tout dépend. Faites ce que vous le voulez. Alors, c'est ici. Il faut que je trouve les membres de la maison et puis comme ça, bah, je pense que j'aurai accès au coffre. Il y en a plein qui ont des cheveux longs régulièrement. Oh. Oui, Sam. On avait les cheveux longs avant. Mais ça, c'était avant. Mais t'inquiète, t'es super. T'es super, bébou, comme tu es. T'es super. Et toi, au moins, tu n'es pas emmerdé par tout ça. Bon. Oh punaise, y'a un ennemi. Mais je suis trop loin, moi. C'est les cheveux. Oui, les cheveux, en vrai, hein, ça sert pas à... C'est pas ultra utile, quoi. C'est vraiment purement esthétique pour la plupart d'entre nous. Si, c'est pas mal, je pense, d'avoir quand même une petite couche de veuche quand on vit dans un pays froid. Mais bon, actuellement, le réchauffement climatique s'occupe pas mal de faire en sorte qu'on vive pas dans des pays froids. Si je les coupe, ça se trouve, j'ai une calve de ouf. Bah, tu l'aurais déjà, hein. C'est pas question de couper les cheveux, tu sais. Tu le verrais au niveau de ton front, au niveau de ton dessus du crâne. Merde, mais je sais pas exactement où je dois aller pour découvrir les secrets de machin. Trouver les membres de l'ordre. Bah ouais, mais bon. Y'a un coffre? En tout cas, j'ai trouvé le coffre. Ça, c'est important. Une fois qu'elle se cacherait sous cette forêt. Mais non, mais en fait, le principe justement d'une cave ici, c'est qu'il n'y a pas trop de forêt, tu sais. Hein. C'est que t'as des cheveux longs, mais pas en grande quantité. Donc ça se voit, hein. C'est pas... Ça se passe pas comme ça, une cave ici. À la longueur du cheveu qui fait que tu découvres une cave ici ou pas, quoi. C'est... Ça se voit, cheveux longs ou pas. T'inquiète pas, hein. Malheureusement, le pauvre Jiraya, quand il s'est rasé les cheveux, il savait très bien que bah, ils avaient beau être longs, ce qui dépassait, il restait quand même pas grand-chose, quoi. Ça lui va bien mieux comme ça, maintenant.
Mais je suis trop loin en fait, je me suis complètement, sortie du truc. C'est pas ça, Chad. Les cheveux longs sur les côtés et tout lisse sur le dessus. Tout lisse ? Bah oui, tu peux avoir les cheveux longs et tout lisse. Moi, c'est pas mal mon cas. Même si je trouve ça plus beau, les cheveux ondulés. Le chef d'un rrr. Je m'en rappelle pas de rrr. Je m'en rappelle pas trop. Ok. Du coup, il y a quoi ici? Mais je suis trop... En fait, j'ai brûlé les étapes un peu. Ah, faut que je passe là-bas peut-être. Oui. Allez, avance! Putain! Des fois, je sais pas pourquoi il met du temps à réagir. Je comprends pas la raison. Donc, il y a un cadenas. Alors, je chope une clé quelque part, mais j'ai pas entendu de ding. Donc, va peut-être surtout falloir trouver une autre entrée. Pas d'autres trucs, ça c'est quoi? C'est un petit coffre. Bon, qui pourrait être bien, ça pourrait être pas mal de le choper, mais bon. Pas trop ce qui m'intéresse. Est-ce que si je monte, j'ai un moyen de redescendre par l'intérieur de la bâtisse? J'ai pas l'impression. Ce que je peux faire, c'est ça peut-être. L'hécatombe! Vous avez vu l'infiltration? Vous avez vu, pour le moment, je me fais pas repérer, hein! Ah là, là, vous dites moins de trucs, hein! Ah là, 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 ça parle moins tout de suite, hein! Ah, quand je me fais repérer, c'est tout de suite hein, en mode ouais, pas discrète la meuf, tiens, on a l'habitude! Hein? Et quoi? Mais j'étais discrète! Il a dû avoir un bug. Non, ça a bugué, ça a bugué. Ça arrive. Hein. Ça arrive. Hein. Putain, je suis dans la merde. Arrêtez. J'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai juste dit, hey, vous avez vu le jeu est beau. Salut Hans Virtual! Je vais me cacher au sommet. Ça marche en plus. C'est vrai. Mais je suis quand même caché. Il a flairé ta piste. Ni, 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 ni. Non, mais ça va. En vrai, c'est bien passé parce que. Tu n'es pas là, mais je vais te trouver.
Non, je suis pas là, je suis sur Palia. Tu es même pas moi. Je suis pas Alia. J'ai tout foiré. Et franchement, je nettoie tout, hein, ça me saoule. Oh, ça me saoule. Pas pouvoir faire un pas là. Ah. Lui, je me le fais. Lui, je me le fais. Lui, je me le fais. Comment ça, hé? Chut! Mais arrêtez de me poucave depuis l'autre côté de la rive, là, au bout d'un moment! Qu'est-ce que c'est de ce niveau de collabo, là? Ah! Oh, je l'ai eu! Exceptionnel! Oh, c'est bon, on pourra se promener tranquille! Mirage aux deux tétons! Exactement! Et en plus, t'as vu? Non, t'as peut-être pas vu, t'as peut-être pas fait gaffe. J'avais une tenue toute blanche et maintenant j'ai une tenue dorée. Mais toujours le téton inclus. C'est important. Oh, mais il est là le coffre! Putain! Voilà. J'ai pas amélioré mes outils. Oh, mais ça me coûte des ressources. Bon, en même temps, ça me sert qu'à ça. Mais je crois que j'avais besoin... Il y avait une amélioration qui me plaisait. J'avais besoin de plus de ressources pour la faire. Nice. Schéma d'amélioration tenue des chevaliers à bastide. Ouais, mais bon, j'utilise pas celle-là. Il me semble que je l'aime, mais je l'utilise pas. Lancer ce couteau. Ok, très bien. Bon. On est où? Je pense qu'il faut que je prenne des infos pour savoir comment rentrer. Et pour ça, j'imagine que si j'essaye de rentrer, mon perso dira un truc du style. Hein, il doit y avoir une autre issue. Ou, hein, je dois trouver la clé. Ou, hein, hein. Je dois avoir un livre Sharpness 5. Quelque chose comme ça, quoi. Donc je vais tenter. Lâche! Oh, coffre! Exceptionnel, hein? Tu restes accroupi. Oh! Ça me fait peur. Qu'est-ce que c'était? C'est officiel, hein? C'est Lox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci, Gaisou! Oh, j'ai peur. Merci, t'as vu, j'ai bien exécuté. Voilà. Hey, je suis contente, j'ai eu le coffre avant. Oh, mais là, il y a un... Voilà. La sécurité de la salle des officiers a été accrue et les portes ont reçu de nouvelles serrures. À titre de précaution, une clé a été remise. T'as été remise. Garde-la en permanence sur toi. Ne l'utilise que sur requête d'un officier. Ne t'éloigne pas de ton poste sur... La terrasse est, général, Majajou, machin. Ce doit être la salle des officiers. La terrasse. Bien sûr, il me faut la clé. Voilà, maintenant je sais qu'il me faut la clé. La terrasse, du coup, c'est... La terrasse est, il a dit. Ça, hein. Donc c'est celle-là. Bon, je continue par là, quoi. Au pire, je les tue tous. Oh! Ah non. Ah, juste un coffre. Vers l'ouest, là, c'est pas bon. Voilà, là, je suis vers l'est. J'ai tous buté, ça va. Ah, c'était lui. Je vais peut-être le tuer de là-haut. Si j'y arrive. Il y en a deux. Oh, mais je peux les avoir tous les deux. Mais non, je suis trop loin. Ah merde, je suis trop loin. Je peux quand même le faire. Tu peux me dire ce que tu cherches à faire?
Je cherche la fleur. Ah, je me brûle. Je me brûle mon petit cul. J'ai eu un sifflet. J'ai eu un sifflet, mais non, mais c'est une clé qu'il me faut. Voir à travers les murs, oui, bah oui. Mais ça, ça avait été introduit dès le premier opus. Hein. La vision de l'aigle. Et d'ailleurs, alors c'était pas le premier jeu qui le faisait, je pense, mais j'ai l'impression que c'est Assassin's Creed qui a démocratisé pas mal la vision de l'aigle. Le... Voilà, ce genre de truc là. Très pratique dans le gaming. Je le voyais pas du tout autant avant Assassin's Creed. Donc voilà. J'aurais tendance à penser que... Oh, je me suis... Oh, je me suis... Oh, j'étais nul. Oh, j'étais si nul. Ceci, c'est une terrasse ici. Ouais, hein. Attends, mais c'est qui? La terrasse est. Mais c'est bon, j'ai buté tout le monde. Une clé de la salle des officiers se trouve sur la terrasse est. Bah ouais, mais il y a plein de terrasses est. Là, j'ai buté tout le monde. Hein. Ah, lui, peut-être. Non, personne ne s'est pas sifflé. Et malheureusement, il le fait sans que je lui demande. Hein? Merde, qu'est-ce je voulais pas attirer lui. Bon, je pensais pas qu'il ferait ça. Il n'y a plus qu'à repartir. Le mec qui change d'avis très vite. Nice. J'ai tapé dans le bois. Bon. Qu'est-ce que... Attends qu'il vienne. Ah, ça lurque des bibis. Des bibis à toi. Bon lurk. Que Dieu ait pitié de ton âme. Mieux vaut être minutieux. J'arrive pas. J'appuyais sur l'assassiner, il voulait pas. Est-ce que c'est lui? Putain, si c'est lui, c'est le dernier. Oh, il est en train de manger. En plus, ça a l'air bon. Ça a l'air bon de fou, en vrai. Oh, les petits pains à la farine, là. Il y a la farine parce qu'il y a la farine dessus et j'adore le goût de la farine cuite sur le pain. Voilà. Bah j'ai fait toute la terrasse moi. Hein. J'ai tourné totalement. J'ai fait tout le tour. Ah, peut-être que j'ai récupéré. Mais merde, attendez. Une clé de la salle des officiers se trouve sur la terrasse est. Ah, faut peut-être que je descende tout. Mais non, mais je l'ai faite cette terrasse, hein. Qui? Bah non. Ah, qu'est-ce qui se passe? Attends. Bon, bah du coup il manquait lui, mais sinon je fais hein. Bah elle serait où? Ah elle serait peut-être pas sur un officier, elle serait peut-être... Ah oh, punaise, elle est là. Mais attendez, depuis tout à l'heure je tue en boucle les gens. Il y a un sous là. Je t'attraperai un jour. Tu es dalle. Oh, j'aime bien comment il passe à côté des cadavres. Bon. Très bien. Bah j'ai tout fait. La terrasse est de cet endroit, on est d'accord. Ah peut-être là-dedans, j'ai mal regardé, il y avait une clé cachée quelque part.
Au-dessus de ma tête, peut-être ? Allez, je vais voir. Massacre pour une clé. Ouais, mais c'est aussi parce que c'est des méchants. Oh, punaise ! C'est lui ! Et, mais il y a 15 terrasses aussi. Et Mimi. J'ai bugué. J'arrive pas à lui sauter dessus ? Voilà. Ton heure avait sonné. Oui, bah complètement. Elle est là, la clé. C'est bon. J'ai trouvé. Non, mais il y avait plein de terrasses aussi. Je vais descendre peut-être. J'ai plus besoin de m'accroupir, hein. Je pense que j'ai plutôt pas mal nettoyé la zone. Oh! Salut Gaëtan! Cinématique! Il ne t'est pas interdit, disons, d'en faire ton esclave. Ah, ne me lance pas ce regard-là. Allah nous a dans ses bonnes grâces, Jasur. Ou penses-tu naïvement que seul le puissant Al-Mardihwar a droit à de tels avantages? Ne prononce pas son nom, même ici. De nous tous, c'est lui qui m'effraie le plus. Tu sais comment il est. S'il découvre mes fautes passées, où pourrais-je me cacher? Contrairement à toi, je n'ai pas de navire, Nadir. En effet, tu as peut-être pris des libertés avec la vérité par le passé. Mais tu as maintes fois prouvé ta loyauté. Tu as exécuté ces rebelles, il y a peu. Avec plus de sang-froid qu'il n'a pas. Mais quel timing, lui. J'avoue que... C'est peut-être lui. Bien joué. Qui devrait te craindre. J'entends ta voix, mais ces mots sont ceux de Shaitan en personne. Ne plaisante pas. Je ne veux pas d'ennui à son retour. Shaitan ! Un beau compliment venant de ta part. Je te l'ai dit et répété. On nous voit d'un bon œil, Jasur. Et nous n'avons rien à craindre. Où est Dohan ? Il est en retard. Il est mort, probablement. Bonjour, mon ami. Tu t'en fais trop. C'est pour cela que tu n'es qu'Al-Rukh et que moi, je suis Al-Aishmeh. Oh! Mes excuses, seigneurs généraux. Dohan bin Arslan a été tué et nous craignons la présence d'un intrus. Nous devons. Oh, qu'est-ce qui vous fait dire ça? La nuée de cadavres devant la porte? Dohan n'est jamais. Eh, pas vous inquiéter pour si peu, hein. Il l'a dit, le gars, ne craint rien. Ces deux-là font partie de l'ordre. Et sont au service d'un troisième appelé Al-Mardihwar. Sûrement, oui. Pour l'instant, il faut que je parte d'ici. Comment ça va, petit Gaëtan ? Moi, ça va, ça va. On est en pleine ligne droite Assassin's Creed. Ah ! Oh, bah tant pis. Hein. Là, c'est bon. Hein. Ça va bien. J'ai flemme un peu. Oh ! J'aurais pas dû. Pourquoi mon épée elle brille? Mince. Ah, je sais plus comment faire. Et le jeu, moi il me plaît, alors je suis contente, voilà. Et demain, on fait du Disney Speedstorm. Faudrait que je pense à faire une VOD demain. Et faudrait que je pense à en mettre une pour demain aussi. Demain, déménagement. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit, déménagement, t'as un moment. Ouais, je comprends que t'es la flemme. Mais elle a intérêt à prévoir les pizzas de déménagement. Et la bière. Franchement, c'est une petite motive quand même. Où je m'en aille, c'est ça? Attendez, un truc à ramasser là, non? Ah, mais c'est pas ici, c'est dehors en fait. Ouais, bah je me tire, je pense. Je pense qu'on peut s'en aller. Oh, j'avais buté tout le monde, ils ont repop. J'espère pas, hein. Non, ça a l'air d'aller. Bah, je peux m'en aller. Je vais aller chercher l'indice là-bas. Et j'ai aussi loot un peu. Oh, il me l'a. J'avais pas prévu ça. Oh, j'avais pas prévu ça.
Pas d'alcool, moi. Ouais, bah un autre truc que t'aimes bien. Bon, juste pour pouvoir passer tranquille, sinon il m'aurait que pour cave. Ah mince! Non mais je pensais qu'il se rattraperait à la petite planche. Il devait être anonyme. Je ne crains plus rien. Je dois à présent retourner voir Fulan. Je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. En vrai, ici, du coup, il y a un indice. J'aurais dû choper. Mais comment ça se fait que je l'ai pas vu? Bah, il est juste là en fait. Je vais pas m'emmerder. Ouais, il est au-dessus de ma tête. Ouais, ça va, ça va être facile. Voilà. Du sprite. Toi, c'est le sprite ton que tru. Ok, ok. Moi, le sprite, s'il n'y a pas un petit sirop qui va avec, je trouve que c'est moyen tir. Ça va, ça passe, mais pas tout le temps. Avec un petit sirop, c'est mieux, c'est mieux. Ok. Attendez, on va regarder l'indice. J'aime bien, moi, les indices. Bon, on a toujours où j'ai rien compris, mais c'est pas grave. Règle vite ce souci pour moi. Des marchands du village situé au nord-est. Au nord-ouest de Jara, on refusait d'acquitter l'impôt. D'acquitter l'impôt. Remboursement s'impose avec un intérêt accru. Je trouve leur entrepôt et... Mais j'ai déjà allé en vrai. Excusez-moi, j'ai du mal à lire. Je sais pas pourquoi. Emploie tous les moyens requis. Mais attendez, c'est pas une énigme ça, c'est un ordre. Des marchands du village. Mais je vais pas commencer à tabasser des marchands de village pour avoir des sous. Jara, c'est où? C'est plus bas, Jara. C'est là. Un entrepôt à Jara. Bof. Ouais. Je préfère quand c'est une carte au trésor, l'énigme. Oh, c'est nul, hein. Bah non, mais les marchands du village, ils me sont utiles, je vais pas les tabasser. C'est bizarre, tu vois. Au bout d'un moment, je suis un assassin peut-être. Bon, mais pas tout le temps. Tu vois? Ah. Ah, y a Ali. Oh, Ali va tellement nous trahir. Tu as remué beaucoup de fourmilières. Enfin non, il va tellement foutre la merde plus. Partout, comme des fourmis furieuses. Fourmilières, fourmis furieuses, bah dis donc. Il évite donc les mercenaires. J'ose espérer que tout cela en valait la peine. J'ai découvert que deux des officiers appartenaient à l'ordre. Et il y en a un troisième. Leur chef. Trois? Voilà qui... Avec des principes sens de l'ordre. Je suis pas sûr si j'ai des principes. Les deux premiers s'appelaient Al-Rukh et Al-Aishma. Le troisième... Ah oui, il me demande peut-être de protéger les marchands. Derrière des noms ronflants comme des... Mais c'est bizarre. Ne prends pas les coquetteries de l'ordre pour de la puérilité. Parce que normalement les indices... Le réel pouvoir derrière... C'est pour des trésors. As-tu découvert quelque chose qui permettrait de les identifier? Bon, oui, sûrement, mais je connais pas les noms. Il a été appelé Jassur par son compagnon. Il n'est pas fier de son passé. Et craint qu'on le découvre. Jassur, oui. Ce doit être le général arabe Jassur ibn Basil. Je le connais. Un lâche qui s'est approprié des victoires obtenues par d'autres sur le champ de bataille. Oh, ils vont me donner une vieille teinture pour les avoir protégés. De dissimuler. Jassur, oh, je vais plus fort. La Kassar Saleh, à l'ouest. Tu pourrais le chercher là-bas. Bon, bah, je parle de tous les indices que j'ai eus, dénommé même si j'oublie les noms. A pour vrai nom Nadir. Il a des navires sous ses ordres, et il est bien moins timoré que son compagnon. Arrogant, en somme.
Nadir. Il doit s'agir de l'amiral Nadir ibn Havid, un fanfaron qui se préoccupe plus de ses nefs que de ses hommes. Ah oui, l'amiral. Fanfaron, certes, mais brillant. Il a créé plusieurs nouveaux navires de guerre pour le calife. Le recrutement de Nadir a accru le pouvoir de l'ordre. Tu peux le chercher au port inférieur, au nord. D'accord, et ça, c'est... Franchement, je sais pas de qui je parle. Hein. El Mardi Juar, je sais seulement qu'il est pour l'instant loin de Sharpia, mais devrait revenir... Shakira, ça je me rappelle. Celui-là, j'ignore qui il est. C'est la première fois que j'entends ce nom. S'il est leur chef, c'est lui qui a ordonné la mort de mes hommes. Tu dois le trouver. Oui, et aussi pour d'autres raisons. Notre meilleur moyen de le dénicher est par le biais des deux autres. Fais-le au pire, Ali, hein. Trouve cet Al-Mardi Juar comme convenu, Basim. Je vais attendre Béchi. Merci oui. d'avoir aidé à libérer. Entendu, tu vas rien foutre. Accepte ce jeton. Oh oui, petit jeton, merci. Je vais trouver Jasur et... C'est un mince remerciement, je trouve. Et démasquer leur chef. Ils seront sur leur garde, à l'abri, dans leur place forte. Tu vas devoir les forcer à se montrer. Mm-hmm. Sois très prudent, Basim. Ces hommes sont dangereux. Tout autant que moi. C'est pas grave, au pire, je pars en courant et en hurlant, je me cache et après je me réinfiltre comme quelqu'un qui n'a aucune morale. Et aucun courage. Mais je l'assume total. Bah casse-toi alors. Casse-toi là. Attendez, une affiche, je vais virer l'affiche. Je suis un peu repéré là. Bon, j'ai pas compris ce que je dois faire, mais je vais regarder les requêtes. Enfin, les quêtes. Pas les requêtes. Pas très ressemblant. Voilà. Ah ! Mais dévoile pas ta méthode ! Ah ! La lâcheté. Une méthode qui a fait ses preuves. Là, je vais aller chercher le truc doré. Et après, on fait la quête. Mais je veux le truc doré. Et puis, bah, quant au marchand à Djadjaraya, là, je sais pas quoi. Bon, je vais y aller, mais. Non, tu devais pas sauter là. Mais qu'est-ce que tu. Arrête d'être fou. Je vais y aller, mais. Un peu flemme à la fois de les défendre ou de les voler. Les deux me font flemme un peu. Mais j'irai après, j'irai après. Où ça? Toi aussi. Oh, nouveau lieu découvert, je me dis. Oh. Moi je cherchais Clan Mystérieux. C'est qui ça? Oh, merci beaucoup, Louis. Prudence, on s'attend à ma venue. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Membre des Thaabines. Il faut que j'en sache plus. Ah, merde, je l'ai assassiné, je voulais pas. Je voulais la voler. Un autre éclat. Bonne nuit, Grisou! À tantôt! Merci, Louis, adorable! Mais tu sais, t'es pas obligé de. Bon, alors, sans mauvais jeu de mots, de lâcher des bites quand tu viens sur ma chaîne. Tu as le droit d'être là en présence tranquille, tu vois. Mais merci, c'est trop mignon. Je me cache! Je suis caché de fou. Est-ce que je peux me TP tant que je suis attraper un démon, enquêter au port de Shakira. Bon, c'est pas ça, mais bref. Recherche d'informations. Oui, j'y vais. Si je peux me TP, ça m'arrange. Je peux pas me TP, mais c'est pas grave, je suis pas loin. Alors j'y vais. Oh Louis. Merci. Merci, c'est adorable, merci beaucoup. Ah, oh, cette phrase à Louis. Donc comment tu vas? Bon, voilà, ok.
Il fait exprès, oui, je m'en doute. Voilà le port. Maintenant, trouvez l'amiral Nadir. Je peux créer une diversion en tout cas. Mince, je suis toujours repéré. Ah bah attendez, on va faire ça. Hop. Je suis un homme recherché. Et voilà, on est tranquille. Est-ce que je peux rentrer? Non, je peux pas. Je vais peut-être faire un petit coup de... Bonjour madame. Allez, on ouvre les yeux. Hein? Qui me... Mais pourquoi? Mais pourquoi il me tape? J'ai fait quoi? Enfin, je veux dire, là, pour, depuis 30 secondes. J'ai volé un truc, mais ils s'en foutent d'habitude, non? Oui, t'as raison, tiens. Moi, je traite bien les gens, moi. C'est eux, ils sont bizarres. Tu sais, oh Louis, tu sais, les gens, ils sont bizarres. T'allais faire quelque chose avec tes éclats? Mais non, je sais pas quoi en faire. Ça me propose pas de trucs avec mes éclats. Ah, mais c'est le port! Ah oui, je me rappelle du port. C'est avec Naël. Ah, c'était Naël! Ouais, mais faut que je la voie, mais le problème c'est que quand je sélectionne, je peux pas la trouver. Bon, attendez, 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 arrêtez! Oh merde! Jouer à destin! Mes pâtes à l'eau sont très bonnes. Et pourquoi tu dis pâtes à l'eau? Y'a des pâtes à pas l'eau? Enfin, y'a des pâtes qui sont faites autrement qu'avec de l'eau? Mais tant mieux en tout cas! Bon appétit à toi, petit Bloody! Et non, regarde dans les requêtes, dans les enquêtes. Rien à elle. Voilà, trouver le lieu caché. Et quand je clique sur elle, ça fait... Du coup, c'est... je sais pas si c'est lié à elle, vraiment. Les pâtes au sucre. Oui, non, mais elles sont quand même faites à l'eau. C'est des pâtes nature. Bah, tu mets pas du beurre et du sel? Vous avez des pâtes préférées, vous? Moi, on a que j'aime moyen. Mais en vrai, bah, je trouve que ça a quand même vachement le même goût. Je sais pas, je suis pas sûre. Mais je sais qu'il m'en... il faut que j'en récolte pas mal, Catholic. Donc peut-être que quand j'en aurai... quand je les aurai toutes récoltées, il va se passer un truc, je sais pas. Ça va brûler la moitié des orteils en enflammant ma botte à 30 pas. En fait, ouais, c'est plus moi, les textures de pâtes que j'aime bien. Les pâtes au jus. Au jus de... Les pâtes de ma boule de poil, oui. Mais tu vas pas les manger. T'es pas un dégène. Bœuf ou poulet rôti. Ouais, comme une sorte de bouillon ou alors dans la sauce, quoi. Ouais, ouais, non, je parlais plus les races de pâtes. Vous savez, les spaghettis, les penne, les pepperoni. Les pâtes, les pepperoni? Oui. Les coquillettes. Alors, avez-vous des pâtes préférées? Tagliatelle? Ouais, c'est Tagliatelle, c'est ça que c'est répondu, ouais. Moi, je crois... J'aime bien les penne et les spaghettis, je crois. Les farfales. Ah, les nœuds papes! Oh, ouais, je crois que j'aime bien aussi les nœuds papes. Ah! Ah non, mais j'ai le droit d'être ici, en vrai. Bah alors? Pourquoi on veut me buter? Oui, j'ai pas le droit d'aller là-bas. Oui, l'amiral c'est plus ça. A une crainte qu'il cache bien. Je doute qu'on voit l'amiral.
t'inquiète. Tu savais qu'il a peur du feu? Quand il était petit, il a voulu goûter un ragoût en train de cuire. Et il s'est approché trop près. Ses cheveux ont pris feu. On ne l'a sauvé que de justesse. Oh le nul. Hey, les gardes vont se montrer vigilants. Ah. On va essayer de monter par là. Tu n'as rien à faire dans les... C'est vrai, je m'en vais. Tu n'es pas le... Ça tombe mal. Comme une ombre en plein jour. Alors l'horloge du micro-ondes qui est pas du tout à l'heure. Il est 14h20. C'est pas supposé stream à 7h. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais un de ces cas, faudrait que je fasse un stream de journée avec, avec Soussou. Où est-ce que... Ah ouais, où est-ce que, hein. Tant pis. Pratique ça quand même. Le double meurtre comme ça est trop pratique. Double assassinat, pareil. Attention, assassin, mais pas meurtrier. Et attendez, si je me lève, si je fais ça. J'ai raté. Non, j'ai peut-être pas raté. J'ai bien raté là encore. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Attendez, il est où mon point? Il est là-bas. Enquêter. Ah mince, fallait que j'enquête. Ah oui, d'accord, j'enquête à fond là. Va-t'en d'ici. Oui, je m'en vais. Plus que quelques heures. Chien de Greg s'opposé. Les lanceurs de feu là par les Well, ils existent. Ça m'a pris la moitié des orteils. Ah, y'a quelqu'un là. Tu n'as rien à faire dans les environs. Je te tiens. Pousse à la mort. Ah. Attendez, y'a un cadavre là. C'est qui? Une note. Les cargaisons. Expédiant toutes les cargaisons vers un arborant l'emblème du seigneur doivent être envoyées directement au campement situé au sud du tigre. Au sud du tigre. Sans exception. Au sud du tigre. Coucou la carotte transgénique. Pardon. J'adore les coquillettes. J'ai fait bien fondant, comme ça pas besoin de les mâcher. Ça te gave juste avec le paquet entier. Tu te gaves juste avec le paquet entier. Putain, t'aimes bien les pâtes trop cuites, toi? Ah mais ça, j'imagine que le paquet te gave, ouais. Ah là là, les pâtes gloubi-boulga, là. Bande de fous. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec... Ah, c'est parce que j'ai pas vu qu'il allait se coucher, excuse-moi, Fernalou. Des bisous, Bonnie. Désolé, je suis trop concentrée. Bisous. Je crois que mon chat est cassé ou mon chat est cassé. Ah, nuit. Bonne nuit, Louis. Pardon. Oh, putain, t'as dû commencer à chouer plus tôt. Mais ouais, mais c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse, un de ces quatre, Louis. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Ah, c'est pas moi qui dodo. Ah, pardon. Eh ben, pas bonne nuit. Mais oui, avec Soussou, il fallait, faudrait qu'on s'organise une soirée sur un petit jeu, sur du Palia ou autre.
Ce serait bien cool. Là, pour faire chier, je dis que je pars. Effectivement. Je ferai un clip de quand j'ai dit bonne nuit et je le remettrai. Je le mettrai en sample, tu vois. Il fait des raids de contestation. Non, mais comme ça, au moins, je le sais. Il a raison de me le dire parce que, bah, voilà. Les modos, quand il veut se coucher, faut que je le sache. Faut que je m'en rende compte. Vous. Plaisante, c'est pas vrai. J'aime bien vous dire bonne nuit quand vous me dites bonne nuit. Ah, t'as croisé une joueuse de soutane à la convention OTT? Trop bien! Trop mignon. Caressez-vous! Ok. Je pouvais me TP, non? Bah non. Oh punaise, y'a un coffre. Je vais pas y aller tout de suite. Et je vais prendre mon cheval, mon dromadaire. Après un sub, ça va plus vite. Effectivement. Là, vous êtes sûr que je vous dis un bonne nuit, mais Kali, quoi. On a loupé un autre, on dirait. Bah oui, mais bon, en même temps, dans toute une convention, c'est pas spécialement très simple de se retrouver, notamment avec des gens avec lesquels tu communiques que par Discord ou par d'autres, d'autres moyens un petit peu indirects, quoi. C'est pas des gens que tu vas appeler. Donc ça se comprend, c'est déjà bien d'avoir pu croiser quelqu'un de la commune soutane, c'est trop bien. J'ai trop bien. Ok, qu'est-ce qu'on se passe? Ça me donne chaud. Et j'ai mal au bras. Je fais plein de ménage et tout, ça m'a niqué le bras. Je crois que j'ai dormi dessus aussi, un peu. Du coup, bah, j'avais déjà le bras niqué. Grince un peu ton dromadaire. Oui, je sais. C'est le premier truc que j'ai dit aussi, il est rouillé. Il faut du WD-40. Ah, bah c'est gentil d'avoir fait ce petit espace parfaitement à ma taille et parfaitement dans les herbes. Mais voilà, le jeu il me dit localise son objectif. Je fais, mon piaf se fait ma rave. Je vais arrêter hein, avec... Merde. Oh la vache. Oh non, non, non. Je sais pas du tout, c'est pas du tout ça que je voulais faire, je voulais viser le pot. Oh eh, c'est n'importe quoi ce qui se passe là, c'est n'importe quoi, on va se calmer, on va reprendre les choses dans l'ordre, ok? Bon, il est où mon objectif? Oh, y'a un coffre. Toi, t'es tout seul. Une minute. Non, c'est moi qui tue là. Il y avait un truc à observer là-bas. Ok. Bon, ça c'est fait. Allez, il marche. Faut que j'aille là-bas. Hey, quoi? Tu es mort. Non. Arrête. Ah, te voilà. Je sais pas où je suis. Je tiens. Merde, j'étais pas camouflé, alors ça a pas marché l'assassinat.
Ouais, ils vont pas sortir de toute façon. Je suis plutôt peinard en vrai. Coucou Ephrim ! Ça va Ephrim ? Partout. T'as vu Frim, je tue. D'accord. Je ne peux pas. Mais je fais ça pas bien. Tu es déjà mort. Alors finissons-en. Y'a un connard qui joue avec un laser à travers ma fenêtre. C'est vrai. Ah putain. Ma ravelante. Tu te fais peut-être draguer. Hé hey, toi. Je voudrais te parler. Reviens. Comme je pensais hier, aujourd'hui j'ai la crève. Ah merde. Donc la gorge prise et la toux. Tu avais dit que t'avais mal à la gorge hier. Enfin que tu commençais à avoir un... sensation désagréable dans la gorge. Pour Minecraft, mon usine de fer est presque prête. Oh trop bien, GG Louis, putain tu vas trop vite. C'est juste des soucis d'ordre monstrueux. Bah j'imagine. Punaise, mais tu vas tellement vite, Louis. Vaincre. Hey. Hé, là, Zibuel. Un sniper, j'avoue. Qu'est-ce que t'as fait, Andé? Pourquoi t'as l'agent 47 à tes trousses? L'agent 47 à tes trousses. Vas-y, articule, meuf. L'agent 47 à tes trousses. Qu'est-ce que c'était? Punaise. Hey. J'ai joué avec son cadavre après sa mort. Il a fait plouf. Merde, arrête de siffler s'il te plaît. Cette note, aucune torche ne doit approcher du prototype. Il tient à ce qu'aucune flamme n'approche de son prototype. En cas d'infraction à cette règle, le coupable perdra un mois de solde et passera une semaine à la grande garnison, à la disposition du seigneur. Ça va exploser. Mais en même temps, tu m'étonnes, regarde, t'as tout qui est en train d'exploser là. Enfin, qui est prêt à exploser. Lui. Ah, c'est fini pour toi. Une minute. Ah oui, c'est vrai qu'il te faut un mob pour faire peur aux villageois. Ça, pour un inconnu, il despawn. Ah ouais? Il despawn les mobs que tu trouves? Quoi? Hésite pas à demander comment on fait dans le chat par exemple du jeu quand ils sont là ou voilà. Hésite pas à demander à éventuellement à Kadem ou Jox. Comment fonctionne leur ferme à faire? Ok, je suis plutôt tranquille là, c'est bien. Franchement, c'est bien là. Je m'infiltre plutôt bien. Vous trouvez pas? Fais ça proprement. Oh putain, il m'a pas vu lui, tant mieux. Je repars. Alors, faut que j'aille chercher un truc. Là-haut. Oh, dans le bateau. Ah, faut que j'incendie. Oh, c'est stylé en vrai. Enfin, pas le fait d'incendier des choses, mais ça va être une scène stylée. Vous voyez, je suis pas une dégène, hein.
Je suis pas une dégène, moi. Faut que je monte sur le bateau, du coup ? Je sais pas. Y'a un truc à faire ? Oh, y'a une barque, déjà. Tu as assassiné les jambes. Oui, je lui ai assassiné les jambes, effectivement. Meurtre par jambe. Ah oui, pour la nuit, oui. Ah oui, oui, c'est vrai. La nuit, c'est souvent skip. Ah oui, j'avais pas lu ton message jusqu'au bout. Hésite pas à demander, à dire « Oh, cette nuit, faut pas qu'on skip, s'il vous plaît. » Et voilà. Et tu répètes le message s'il faut. Mais on le fait, on le fait. Ah oui, faut des name tags, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Sinon, effectivement, les mobs dépop, tout à fait. C'est totalement réel ce que tu dis. C'est totalement réel. Attendez, j'arrive pas à monter. Je voudrais monter sur ce petit toit de merde. Ah ! Oh my god ! J'ai trop pris ma respiration. Je voulais voir si en me mettant très haut, je pouvais partir facilement. On verra. Alors une torche, j'en ai. Non, 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 éteignez ça, il va nous faire couper la tête. Ah ! Mais saute, espèce de connard ! Il veut pas ! Oh la vache ! Il y aurait un souci ? Quelqu'un vient nous chercher des fous, ça nous occupera. Tel une maître ninja. L'art du silence, tu as. Oui, ça se voit, hein. C'est Vendels. Ah oui, sinon tu le mets dans un bateau. Ça dépop pas. Ça, effectivement, on a pu l'expérimenter. Un point vital dans le mollet. Il y a une veine dans la cuisse, en vrai. Je sais pas comment elle s'appelle. La veine cave. La veine... Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire la veine sans gluten, je sais pas pourquoi. C'est mon cerveau de malade qui a envie de dire ça. Je sais pas du tout pourquoi cet enchaînement de mots vient en même temps dans ma tête. L'artère fémorale, voilà, je suis pas loin. La veine sans gluten. Pourquoi je pense à ça, moi ? Qu'est-ce qui fait que j'ai ça en tête ? Chelou, un peu. L'artère fémorale, bah voilà, non mais c'est ça, c'est l'artère fémorale, fémorale. Il y a des petits cons qui ont trouvé un nouveau jouet. Mais t'as trouvé du coup, Hanté, qui est-ce qui s'amusait avec un laser à travers ta fenêtre? Genre ça continue? La veine du Watchman, tu meurs en 2 secondes, effectivement. Perds connaissance. Direct. C'est l'artère fémorale. Tu meurs parce que t'as plus de morale. Faut que je fasse quoi maintenant ? Faut que j'aille là-bas. Oh, il y a du monde ! Oh, j'ai flemme un peu. Caché. J'y crois pas, non mais c'est bon, j'essaie pour le rire. En vrai, je vais devoir retourner puisqu'il y a un coffre. Ah ! Hop là. C'est dans un autre quartier. Ah, carrément. Ninja! Une lettre d'Al-Mardi Khwar à propos de cargaison manquante appartenant au mercenaire turc. L'amiral se remplissait. C'est toi le mercenaire turc. Un de moins. Maintenant, au tour d'Al-Rukh.
Ah oui, du coup, j'en ai buté un. Il faut pas que je me rate. Ah, c'est lui qui tue mon aigle, bâtard. Désormais, la voie est libre pour Enkidu. Let's go, merci Enki, mais c'est super ça. Let's go, la voie elle est libre, trop bien. Attention, la voie elle est libre, maintenant. Ils sont trop cramés. Attends, je l'ai pas prise. T'aider. M'a saoulé. Y a qui d'autre que je peux cramer? Ah! Je suis cramé. Arrêtez, c'est pas drôle. Alors il y a un coffre ici. Moi oh, j'aurais pu cramer eux. En plus il y a un coffre ici. Ici. Pourquoi il saute de si haut? J'ai juste fait un petit B. Oh, il m'énerve. Oh, il m'énerve. Merde, il y a une fenêtre, mais elle est pas ouverte. Et là, il y a une porte, mais elle sera pas ouverte non plus. Lâche. Oh, si. Let's go. Si tu es le quoi. Les rumeurs mettent en doute. Mon passé persiste. Je n'ai encore trouvé les responsables. Je n'ai pas encore trouvé les responsables. En dépit de tes piques, je suis certain que tu comprends mon inquiétude. J'imagine que tu as raison lorsque tu déclares que j'ai de la chance. Que ceci soit survenu pendant son absence de Shakira. Mais pour être franc, cela ne me réconforte guère. Ces bruits parviendront tôt ou tard à ses oreilles. Je serai ravie d'entendre tes conseils. Écoute, si tu mytho. C'est dommage. Il est pas là, le coffre? Il est en dessous. Le coffre, il est en dessous. L'attendre. Le coffre est en dessous. Reste où tu es. Oui. Mais non. Ah, il est barricadé. Oh, ça me casse déjà. Tu te montreras bien. Ce ah, il y a du monde. Venir. Ça va pas, non? Des poules. Je vais cramer les poules. Enfin, c'est pas que je voulais cramer les poules, c'est que en fait, je voudrais que leur cage prenne feu, comme ça elles se libèrent. Parce que si je les libère moi, je vais les taper sans faire exprès, du coup après, elles voudront me tuer. Voilà. Non. Non. Non, 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 non. Magne-toi, s'il te plaît. Mais pourquoi il y a des silhouettes de moi? Il y a un truc où je pourrais revenir en arrière? Ça a l'air sérieux, putain, un peu plus. Ah mais le coffre en fait il est pas dans la maison. Il était juste là en fait. Let's go, je l'ai. Bon, je peux me barrer. C'est bon, je peux me barrer. C'est l'endroit où ils t'ont vu pour la dernière fois quand ils te perdent de vue. Putain, mais j'avais jamais tilté. C'est fou. En vrai. Non. Je suis peut-être quelqu'un d'impressionnable. Je suis... Où je vais maintenant? Oh non! Je vais être obligé de me TP là-bas. Parce que j'ai mis un marqueur et du coup je peux pas l'enlever. Ah si, c'est X.
coin-là. Mais c'est tous les marqueurs. C'est un peu chiant. En tout cas, j'ai eu le coffre. Je suis contente. On avait un truc à Shakira, là. C'est là-bas? À Djadjaria. J'ai un TP. On va aller à Djadjaria, on avait un indice là-bas. Bonjour Louis, des bisous. Du coup, ils vont te chercher proche de cette silhouette. Putain, mais c'est fou. Je m'en rends compte que maintenant. Je suis kécho. Oh, mais il saute. Alors, il y a un autre pot ici. Que vos enfants connaissent le Coran, qu'ils sachent lire et écrire. Ah, ça me gratte ici. Voilà, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Encore merci au Louis, des gros bisous. Tendez l'oreille, voyageurs et visiteurs. Le calife est ravi de vous accueillir. Examine les lieux. Peut-être que lui pourra m'aider pour mon objectif. C'est bizarre un peu. Il y a un entrepôt. Bah, c'est là-bas les marchands, donc ça serait peut-être plus dans ce coin-là. Ah ouais, non, il en sait un. Oh, il y a une clé, qu'est-ce que c'est? Quoi ça? Alors, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je vais voir ce que c'est que cette clé. Et comme ça, je m'éloigne du crieur public qui me fait péter un câble. Ici. Alors, je peux choper une clé là-haut, mais une clé de quoi? Ah, est-ce que ça marche si je mets du feu? Ah non, ça se... de coffre de la cabane de char. Oh, ok. Attendez, je vais voir ce que c'est là, je comprends pas. De la cabane de chasseur de Djadjaria. Oui. Bah oui, d'accord, mais comment je sais où elle est cette cabane, moi? Cabane de chat. Oh, c'est peut-être le chaton qu'on a croisé. Oh non, il est devenu un chaton banal. Cette histoire me chafouine toujours. Je ramasse ma torche. C'est ma torche. Oh, j'ai allumé des trucs. Attention, j'ai une torche. Je maîtrise le feu. Du coup, vu que j'ai une torche, si je fais genre ça, ça crame. Ah oui! Désolé, petit, je vole. Du coup, je te vole. Comme ça, tu vas loin de tout ça. Alors, le truc des chasseurs. Des, pas des chasseurs. Ça, c'est des... Ah, oh, je sais pas. Ah, oh, je sais pas. Je re-regarde. Nord-ouest. Par là, Jean. On va tester. Ou par là, peut-être. Je vais aller sur le chemin. Allez, cours! Je maîtrise peut-être les éléments, mais je maîtrise pas trop le cheval. Mais au moins, il est pas rouillé. C'est vous! C'est un entrepôt, ça, non?
Ça a l'air d'être un endroit où il y a des méchants. Je sais pas si c'est ici, hein. Mais je récolte des trucs en tout cas. Alors c'est pas ça évidemment. Ah, y'a un autre à pécho. Voilà, ne bouge plus, Charles. Mais j'ai rien fait. Ah. Mais ils savent même pas pourquoi ils sonnent l'alerte. Ils ont même pas vu qu'il y avait des méchants, des morts, des méchants morts. N'empêche que ça a l'air d'être là, hein. Peut-être qu'il faut que je j'aille sur le toit. Je comprends pas tout, je comprends pas tout. Du coup là normalement il me voit plus. C'est ici l'entrepôt. L'entrepôt qu'ils ont. Bah du coup ils sont venus, ils ont tout foutu le bordel. Enfin non, je sais pas en fait. Je comprends pas tout, j'avoue. Par ici, allez. Ou alors c'est un autre endroit, mais je comprends rien. Je relis. Alors, les marchands du village situés au nord-ouest ont refusé d'acquitter leurs impôts. Remboursement s'impose avec un intérêt accru. Trouve leur entrepôt et équilibre les comptes. Et rends compte quand ce sera fait. Sinon, c'est où? Il s'est buté! J'ai déjà fait ça une fois. Deux fois. Trois fois, je crois. Bon, je sais pas. Hein. Je comprends pas cet indice. Et mon piaf il m'aide pas et ma perception elle m'aide pas non plus. Coucou. Voyageurs de toutes origines. Quartier de Harbiya. J'aurais pas confiance en ce propriétaire perso. Bah tant pis, ça m'a saoulé. On bouge. Tant pis. Enquête. Du coup, il nous reste ça. Pardon. Faut que je me TP. Oh, j'ai pas de point à côté. Comme ça.
Ça va, le chat? Ça va, et bah tant mieux. Et toi, ouais, ça va. Même si là, j'ai pas compris ce que je vais faire en vrai. Tu joues à côté, petit Catholis? Ça va bien, oh. Ça game un peu. Quoi, vraiment? Toi aussi, Cocotte, tu games à côté? Est-ce que ça game? Je vais complètement l'opposé! Pourquoi je peux pas m'empêcher d'aller à l'opposé de mon objectif? C'est une maladie! Je mangeais. Ah oui, c'est vrai qu'il doit être un peu. Oui. Ça doit être l'heure. Nos savants nous avisent une prochaine arrivée. Pas ce soir, je traîne sur l'internet. Les buissons d'épines sont en vente. Attention. Attention, attention. Tu vas finir par acheter des pièces dans l'ensemble, tu sauras même pas pourquoi. C'est les dangers de l'internet. Je vais peut-être continuer la découverte des nouvelles zones après. Des nouvelles zones de quoi, hein? De Genshin. Et oui, c'est vrai que... c'est vrai qu'il y a une mage. C'est vrai, c'est vrai. Quoi, une minute? Ah, faut que j'aille là-dedans. Ça va être sympa. Il paraît que Neuvillette est topée. Oui! Il paraît, ouais. Ah, je pourrais essayer de l'invoquer en off, mais bon. Peut-être que lundi, ce serait peut-être bien que je fasse quelques invocations avant de lancer le live. Je verrai, c'est possible, mais je verrai. Normalement, j'ai de quoi invoquer, j'ai de quoi faire quelques multi. Parce que, bah, quitte à invoquer, je veux faire ça en stream, c'est quand même, ça fait partie des moments les plus sympas, je trouve. Mais Neuvillette, oui, je l'ai pas testé encore. Mais de toute façon, je suis en 50-50 non garantie, donc il y a aussi ça qui fait que, pour le moment, un peu en mode bois. Bois. Je connais ma luck, hein. Je connais ma luck. I know my luck. You know the luck? I know the luck. Ah, je peux peut-être les tuer tous les deux. Oui, mais il y a lui. Bon bah quitte à me faire repérer, hein. Ne le laissez pas s'enfuir. Retourne en enfer, démon. Il a fait n'importe quoi. J'arrive pas. Je voulais descendre, j'y arrivais pas. Je vais peut-être mettre ma tenue qui a une régène passive. Oh, elle est classe celle-là. Je vais prendre ça, tiens. Oh, mais je ressemble vraiment aux gardes en fait. Soussou! On parle de Genshin. Objectivement le meilleur perso, actuellement. C'est parce qu'il est nouveau ça. Et j'invoque pas parce que ces animations puent la crotte en multi. L'allergie à con.
T'invoques pas parce que t'aimes pas ces animations. Soutane, c'est une fashionista. Faut que t'aies le swag, sinon elle te veut pas. T'es pas dans sa team, sinon. En termes de dégâts. Ok, ok. C'est un main DPS, du coup, Neuvillette. Moi, j'y ai pas rejoué depuis qu'il est sorti. Enfin, j'y ai pas rejoué jusqu'à juste avant qu'il sorte. Donc, pas d'infos. Ok. Alors, j'avoue que c'est intéressant. Moi qui aime bien les persos hydro. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais je me doutais qu'il serait OP de toute façon. Rien que par son skin, on s'en doutait en fait. Attention! T'as une lame dans la gorge. Oh, tout ce qu'il faut tuer! Oh, peut-être que je les écoute eux. Bonjour madame. Et ça va? Ça plante des clous un peu? Ah bah vous savez, faut s'occuper hein. Allez, le téton. J'ai invoqué Soussou, bravo! Best invocation en vrai. On est sur une 6 étoiles. Ah bonjour monsieur! Partez. Faut que je les écoute ou faut que j'ai dû chercher un moyen d'entrer? Ah, faut que je les écoute. Un bâton merdeux. Voilà. Un bâton merdeux. C'est le garde qui a la clé. Ah, c'est lui. Ok, ok. Attendez. Ah merde, j'ai pas ce qu'il faut pour... J'ai 2 points de compétence, j'en ferai rien. Donc non. Et du coup, il va loin, ce petit bâtard, là. Bon. Oh, en attendant, c'est toi qui vas prendre. Ça me fait des assassinats. Assassiner, ça me fait des assassinats. Est-ce que vous le saviez? Chut. Mais chut. Oh, qu'est-ce que ça poucave à Bagdad, hein? Il y a des méchants. Je peux les tuer tous les trois. Oh, j'ai fait un bruit de bouche dégueu, excusez-moi. Je peux les tuer tous les trois quand même. Avec ou sans bruit de bouche. Là. Bon, j'avoue, j'avais dit que j'utiliserais pas ce pouvoir, mais du coup, je l'utilise en fait. Parce que j'ai la flemme. Il est temps de filer. Non, non, bah non, pas du tout, mec. On est qu'au début, là. Hein. T'es Mimi. T'es Mimi. Tu vas te concentrer un petit peu. Et où, monsieur Clé? Là-bas? Professionnel. Merci, hein. Merci beaucoup. C'est un méchant, ça. Il a une arme. Alors, c'est la balle, c'est la gueule. Poussez auto! Qui m'a téléchargé? Je suis caché. Oh! Non. Attendez, vite, vite, vite! Oh, ça allait pas cramer! Il était juste à côté! Le gars... Oh, pardon. Excusez-moi. Pardon. Mais il est où? Il est là-bas ou pas? Attendez. Je vois un truc à regarder. Je vois un point d'intérêt, mais je vois plus la clé. Qu'est-ce que c'est que ce bataquac? Oh, il y a un coffre, par contre. Ça, j'ai bien vu le coffre, là. Oh, j'ai bien vu le coffre, là. Ouh. La sexiness de ce coffre est colossale. Est-ce que je peux... Vous voyez... Un explosif sur des humains. Ouais, que là je peux pas rentrer, c'est ça? Non, mais il passe par l'escalier! Mais tu fais aucun effort, enfin! Oh, voilà. Pff.
Attendez. Je vais voir la portée. Merde, j'ai cramé un civil. Inutile de te cacher, ton heure est venue. Je me cache pas, juste d'être trop loin. C'est qui là qui me repère ? Qui me repère ? C'est l'aigle ? Il dit repère. Une clé. Il y a certainement une porte quelque part qui m'attend. C'est... Eh, franchement... Détective Pikachu un peu, Basim, hein. On level up en matière de... de détectivage. Pardon. Pardon. Tu n'es pas là, mais je vais te trouver. Pardon. Chaque fois son balai disparaît, il doit se retaper l'animation. Non. Mais non ! L'assassinage n'a pas marché ! Non mais stop là, c'est bon. Oh chiant le gonze. C'est un génie, vas-y. On le sait pas, mais il voit des choses. Le mec sait des trucs. On dirait pas, hein. Mais c'est un génie. Un génie. Attends. On m'a parlé d'un soir qui s'est attribué les lauriers et le courage des autres. Là-bas. Garde, double solde qui m'apportera sa tête. Double shot ? Ah non, double solde ! Ah, le voilà, le lâche qui fait son retour. Motivation assez... Rien ! Garde ! Je vais te mettre en charge ! Ah, j'ai essayé d'esquiver les deux, mais c'est chaud, j'avais plus d'endu. Oh, et puis zut, hein. On va se saouler, là. Un message. Maldirwar avait des questions à propos du passé de notre ami. Malin. Ainsi, il était convoqué à la grande garnison, et deux de tués. Je dois retourner auprès de Fulan. Il y avait un coffre. Avant que je me tire. Ilena. Je dois retourner voir Fulan. Oui, bah il y a un coffre. C'est la mort d'Al-Urur et d'Al-Aishma. Une clé, ce qui signifie qu'il y a une porte. Oui, oui, on est à ce niveau-là. On est à ce niveau-là avec Basim, ouais. En tout cas, une serrure, oui, voilà. C'est une porte, mon sens de l'aigle me dit. Bah, c'est que bon. On cherche quoi déjà ? Je sais même plus en fait. Petit coffre, où es-tu ? Mais je sais où il est le coffre, faut que je sais... Attendez... Ce que je sais moins... C'est comment l'attendre. Est-ce que d'ici... je peux peut-être... Ah peut-être, attendez... Est-ce que d'ici... Est-ce que d'ici je peux atteindre... La barricade de la porte, j'ai pas l'impression. Porte de la ville. Mais ça va pas, non. Il faut se calmer, hein. Ou alors, je me sers de... des jarres explosives, peut-être. Mais je sais pas où. Là-dedans. Ça, c'est un mur... c'est un mur fragile. C'est fragile. C'est pas ça en tout cas. Non. Plan de merde un peu là. Peut-être de dessus. C'est au-dessus.
Bah du coup... Merde, j'ai dépensé ma jarre pour ça. N'a pas une autre ? Allez, ça va repop, de toute façon. Merde. Merde ! C'est ici que je dois... Mais j'ai pas d'explosif. Descends, je t'en supplie. J'appuie très fort, histoire que vous entendiez que j'essaye de faire des trucs que le jeu il veut pas me laisser faire. Merde, Major ! Mais je peux pas la porter, celle-là. Je peux pas la porter. Normalement, ça repop. Mais faut peut-être que je m'éloigne un peu. Je m'éloigne pas beaucoup, j'avoue, j'ai un peu la flemme, mais faut peut-être. Oh merde! Oh, me saoule pas, toi, hein. Bon, il faut que je file d'ici. Non, je vais buter tout le monde. Il y en a une autre là-bas. Ouais, mais je pourrais pas la monter. Tiens-moi tes chambres, ma... Des bisous à tes bonnes nuits. Des gros zoubis. Qui me tâche la main. À demain pour du Disney Speedstorm. Allez. Allez, monte, s'il te plaît. Ah, oh, il veut bien monter. C'est bon. C'est bon, ça va le faire, ça va le faire. Je crois. Est-ce que je peux faire des petits sauts? Oui, ça va, ça va, ça va le faire. Oh, ça va, le jeu, il a été gentil. Merci, le jeu, merci. Je promets de plus faire des bêtises comme ça. Merci beaucoup. La Véropop ? Non, même pas. Hein. Faut bien viser. Je vais cramer. Du chevalier à Bastida. Peut-être celle-là que j'ai en vrai. Je sais plus. J'ai réussi malgré l'adversité! Je vais faire un rap. J'ai gagné! Exactement! Je peux pas faire un voyage rapide, pourquoi? C'est officiel, c'est l'heure, c'est la meilleure. Merci. Repose à présent. Ouais, repos. RTT à présent. Merci, Catholise. Eh ben, j'avoue, merci. Merci beaucoup. Non, mais c'est bon, je me tire. Je veux juste réussir à trouver comment me tirer. Ah, ça me stresse, arrête. Oh la vache, comment il m'a fait saigner de la gueule. Il y a beaucoup de sang dans une gueule. Catholic, c'est une botère, oui. Assez exceptionnel, hein, en vrai. De qualité, de qualité.
après ça, je vais pouvoir me TP. Je croyais qu'il me restait du coca, en fait, il me restait rien. Bon, déployez-vous et trouvez ce chien. Non, mais cassez-vous, là. Oui, si je me TP, bah non, tant que je suis recherchée, je peux pas me TP, je crois. Parce que ce serait... Ah, bah si. Constellation, oui, c'est vrai qu'il est écrit comme ça. Ça fait un peu constellation, ouais. Ah, tu serais au moins C800. Hein. Estimé visiteur de Bagdad. Descends. Oh, ce que tu m'agaces, Basim. Oh, ce que tu m'agaces. Un instant, Ali. Commençons plutôt par... Ah, il m'énerve, Ali. Il est juste là, il fait la gueule et c'est tout. Tu peux mener à bien tes tâches. Soul. Le général Jassour et l'amiral Nadir sont morts. Et j'ai fait tout le taf. Es-tu parvenu à l'identifier ? Non, mais vous pouvez faire un truc aussi, vous, hein ? Le général Jassour avait reçu l'ordre de rencontrer Al-Mardir Khwar à la grande garnison. Apparemment, son passé l'avait rattrapé. L'amiral Nadir devait répondre de la disparition de cargaison destinée aux soldats turcs. Al-Mardir Khwar était mécontent. Ainsi, Al-Mardir Khwar est à la grande garnison. À superviser le ravitaillement des mercenaires turcs. Et franchement, si vous le dites, moi je confonds tous les noms. Ça ne correspondre qu'à une seule et même personne. À Ali. Wasif al-Turki. J'étais pas loin. Cela se tient. Peu de gens autres que lui auraient pu s'emparer de Béchi. Béchi a été capturé. Elle est name dropping, j'en peux plus. Hein. Wasif. Arrête de gueuler, toi. D'un déplacement au profit du calife et est à la garnison. S'il tient Béchi, c'est à cet endroit qu'il doit se trouver. Alors c'est là que je vais aller. Wasif. Ah, tu vas servir à quelque chose ? Mais incroyable. Et échouons, il peut lancer un conflit qui s'étendra jusqu'à Alamout. Tu as besoin de Basim. D'accord. Mais pourquoi il m'aime pas ? Je vais trouver Basim à la garnison avant d'agir. Putain, j'ai fait tellement pour lui, ça m'en ouf. Merci d'attendre. Entre dans la grande garnison et tue Wasif. Il ne doit pas s'enfuir et il faut qu'on croie que c'est l'œuvre d'Ali. La sécurité d'Alamout en dépend. Tu peux compter sur moi. Il faut que je fasse quoi ? Le seigneur de l'aube. Al-Mardir Khwar. J'ai bien prononcé, hein. Je vais couper la VOD ici. Ça fait 2 heures. On avance doucement. Bisous, VOD.